Salut à tous! Hey, salut! C'est Didine et Gégé de Gaming Room TV. Donc aujourd'hui, nous vous présentons le second épisode de la collection des abonnés. Ouais. Donc comme la dernière fois, on a sélectionné 5 abonnés. Voilà. Qui nous ont envoyé des photos de leur collection. Donc voilà. On va vous présenter ça en détail. En détail. Et on va commencer par la Sakura! Exactement. Alors. Donc, première image. Première image. Donc, il s'agit de console portable en boîte. En boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, moi, direct, je vois la Game Boy Color avec la Nintendo DS Tank, la bleue. Ouais, donc la PSP, c'est une édition Final Fantasy Dissidia, ou c'est un pack ouais, plutôt. C'est ça. C'est un pack. C'est un pack, ouais. Donc, il y a de la PS Vita, de la 3DS XL. Ouais, la PS Vita, on l'a pas, ça? Non, bah non, parce qu'on fait pas, pas PSP, donc on n'a pas PSP ni PS Vita. Donc, la première DS. Et après, voilà, on reste au Nintendo, Nintendo 3DS. C'est ça. Voilà. Ensuite. Ensuite. Ah, la petite Switch. Donc la Switch Pokémon. Celle-là, on aimerait bien la voir. Evoli. Elle est belle. Ouais, let's go Pikachu. Ouais. Let's go Evoli. Mm. Après, on a la PlayStation, la PS3. La Wii U, La Wii U, ouais, sympa. Mmh, sympa, et la Kinect. Et la Kinect de la 360. Ensuite, donc... 3DS, là, ça doit être... DS, 3DS, donc c'est sa collection Pokémon, je pense. Je pense, ouais. Donc nous avons du Pokémon Perle, Diamant... Ouais, bah sur DS et 3DS. Ouais, hein. Du Ruby, du Saphir, etc, etc. Le petit clavier qui va avec... Après, ensuite, donc on voit qu'elle a fait les bonnes affaires. Ça, c'était ses bonnes affaires, je pense, ouais. Avec des 10 euros partout. C'est ça, à l'épris. Bon, bah, on a du bon, hein. Donc, très bonne ludothèque, là, déjà. Ouais, franchement. Ouais, du Zelda, du Mario. Du Kirby. Franchement, le Tomodachi Life, parce qu'il paraît, c'est pas si mal que ça. Ah oui, ouais, attends, le temps que j'étais en train de chercher. C'est... Dragon Quest 8, ouais, je vois. Ouais, le Magical World Disney en bas à droite. Après, il y a du Layton. Ah, Professeur Layton, c'est génial. Après, c'est. Harvest Moon. Ouais, Luigi Mansion 2 qui est moins bien que le premier, s'il parle. Non, franchement, il y a des bons titres. Il y a déjà des bons titres. Il y a le Sega 3D en dessous, la classique. Ensuite, on repasse à du DS. Donc, je sais pas si. On les avait déjà vu les Pokémon là, je pense, c'est de précédente vidéo. Ouais. Vidéo photo, pardon. Donc après, voilà. Princesse Peach, moi je le trouve vachement difficile. Après c'est peut-être moi. Je l'ai trouvé assez dur quand même. Ouais. Ouais. Et bah, du final. Hein. Du final, après. Du Dragon, Professeur Layton, Dragon Quest, ouais. Ouais, du Dragon Quest. Et du Kingdom Hearts, voilà. Après, ouais. Ouais, sur du classique. Mais c'est du bon. Après on passe sur de la, la Wii. Oh, je vois la Pandora's Tower. Même à côté il y a le Fragile Dreams. Dreams, pardon pour l'anglais. Dreams. J'ai une petite salive là, c'est. J'ai une petite salive. On a encore du final, Donkey Kong, Harvest Moon. Ouais, Fragile Dreams, c'est ce qui paraît, il est vachement bien. On le possède pas, donc Pandora's Tower est pas mal. Après, nous sommes sur du Super Mario Galaxy, Du Zelda. Ça Zelda. Reste. On reste sur du Nintendo. Et le Epic Mickey est pas mal. Il est pas mal aussi. Ouais. Tu vibres, cher. Je vibre. Ah, allez, la Wii U. Vas-y, je te laisse. Alors, on l'a pas. La Wii U, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose. Eh ben, je vois déjà les 3 Zelda hein, tout de suite. Moi, je vois le Paper Mario. Ouais, le Paper Mario, le Super Mario Bros. Le Mario Kart 8, que je trouve qu'il est excellent. Ouais, sympa, ouais. Le Pokémon Tournament. Le Yoshi Willow World. Ouais. Enfin, voilà, après, on reste sur du classique. C'est génial. Ah, oh, oula, c'est beau ça, il y a des belles pièces là. C'est sympa ça, il y a le jeu de cartes Pokémon tout de suite. Là j'ai bien aimé moi le jeu de le cartes Pokémon. Ouais. Mais bon, il y a un moment c'est assez dur, si vous n'avez pas les bonnes cartes... C'est beau, franchement. Après, donc du coup on a du Pokémon version Saphir, Ruby, nous on a le Ruby. Ouais. Pokémon version Rouge Feu, pas mal. Pokémon Or, pareil, c'est pas mal. Ouais. Le Emerald est pas mal aussi. Et le Final Fantasy Tactics, ça c'est des belles pièces. Et le Zelda aussi. Beau. Ensuite, nous passons à du PS1. Donc, moi, je sais que je vois. PS1, PS4. Ouais, PS1, PS4. Donc, les Tomb Raider. Ouais, Tomb Raider, Alundra, ce que je vois direct, et le 1 et le 2, Final Fantasy 8. Digimon, ça disait pas mal, t'as bien aimé, toi. Digimon, ouais, c'est un jeu de mon enfance également. Après, on reste sur du Final Fantasy également. Ouais. Le 12, que j'aimerais bien avoir sur PS4 aussi. PS3. De la PS3. Tale of Symphonia, Kingdom Hearts. FF, on reste. On voit que Sakura t'aime bien quand même la série Pokémon, FF et Kingdom Hearts. Hein. Un peu Tales of, je sais pas, je crois bien que c'est le premier Tales of que j'ai. J'ai pas fait attention. Mais Tomb Raider aussi t'aime bien, j'ai l'impression que Ratchet & Clank c'est une bonne série.
Ensuite, et on finit par, pour la dernière, c'est la dernière photo de sa collection. Donc, pour la, sur la Xbox 3.6. Allez, tu veux, je te laisse faire ou... Donc, alors... Moi, ce que je vois direct, c'est le Eternal Sonata, Star Ocean, pareil du RPG. Hein. Voilà, et, je te laisse faire. Ouais, le Tales of Vesperia. Voilà, il a tout dit. Voilà, et le Blue Dragon qui sont sympathiques. Donc voilà, donc c'était la petite collection. De la petite collection, une bonne collection. Il y a pas mal de choses. Donc de toute façon, on mettra les liens des chaînes YouTube dans la description si vous voulez aller voir sa chaîne. Il n'y a pas de soucis. Alors ensuite, nous allons passer à la collection de Francesca. Une abonnée qui nous suit depuis maintenant quand même plusieurs années. Je dis une abonnée, mais c'est tous des abonnés, quoi, je suis bête. C'est vrai. Mais donc elle nous suivait déjà sur Retro Paradise. 88. Donc moi, un gros big up à toi, gros Francesca. Bisous, ouais. Merci de ta fidélité. Ouais. Allez, on va alors, passer. Alors, première photo. Parce qu'on ne va pas trop non plus parler. Number one. Donc, il y a une paire de photos. Première étagère, donc on voit de la PS1 au-dessus. On se rapproche de l'écran, c'est pour ça. Parce ouais, on se rapproche un petit peu pour voir. Alors, il y a du Spirou. Moi, je veux du Tekken. Ou tu veux faire dans quoi? On fait dans le sens de gauche à droite, parce que c'est vrai qu'en fait... J'ai commencé par là. Colin McRae. Du Clonoa. Driver. Clonoa. Ah oui, Clonoa, belle pièce. Bon. Ouais. Tombi 2. Les Muppets. Tombi 2 aussi, oh, Vigilance 6. Ça, aussi. Franchement. Sympa ça, les siphons filters. Sympa comme tout. Les Spirou. C'est cool. Pas mal. Après, je passe en dessous. On a du Crash Bandicoot sur PS2, du God of War. Il y a le Beyond Good Devil aussi, j'ai oublié. Ouais. Après. Donc attends, ça, c'est tout de la démo. C'est de la démo au-dessus, ouais. On a de la tout démo. Ce qui est en bleu. Du Rayman, après, du Sega. Moi, je vois pas très bien les titres. Alors, bah, on a de la Wii, de la PS3 et on a remonté un peu au niveau de la PS1. Ouais, donc on va. Moi je pense qu'on a déjà bien détaillé la PS1. Donc ouais, c'était pas mal en tout cas, franchement. PS1, PS1. T'as plein de bons petits titres. Donc sur la Wii, bon bah on voit tout de suite un boîtier jaune, c'est du Sonic aux Jeux Olympiques. Et le rouge aussi. D'hiver. Et le rouge, c'est le New Super Mario Bros. Après Super Mario Galaxy 2, après on a du. Du Rayman contre les Lapacatins. On a un sachet Micromania. Ouh là là, non oui c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Dis-moi tout. Toy Story 3 sur PS3. Ce qui paraît, Toy Story 3, il est bien. Bon, je me le trouve. Après, on a Rayman Origins. T'aimes bien les Rayman, Francesca? On a du God of War aussi sur PS3. God of War aussi, t'aimes bien ça, j'apprécie. Mm. Ensuite, dernière photo. On repasse sur de la PS2. Donc on a un peu plus de détails sur la PS2. Il y a les Sly. Ah, tu veux commencer par la droite, toi? Ouais, je sais pas pourquoi, pourtant je suis pas du bon côté. Hein, mais allez, les Sly Cooper. Ouais, il y a du Sly. Ratchet. Ouais, il y avait du Spirou quand même aussi, hein, et du Ratchet. Vas-y. Lara Croft, hein, Tomb Raider, ouais. Du Kia, Clonoa. Kim Leonard. Le 2, du Kingdom Hearts. Merci. Du Kingdom Hearts. Jack and Dexter, Grand Theft. Jack and Dexter. Elle a quand même à peu près les mêmes goûts que toi, quand même, je t'ai l'impression. C'est, voilà, des Sly, Ratchet, Jack. Bah c'est des séries c'est la base sur la PS2. Ouais. On a du Gran Turismo, Crash Bandicoot, du Crash, un petit Castlevania, les Astérix. Astérix XXL qu'ils ont sorti sur PS4, PS4, Switch et Xbox One. Xbox One qui ont fait un flop. Ils ont fait un bid complet, ouais. Oh, marrant. Ils étaient déjà soldés. Oui. Donc voilà, bah c'était la petite collection de Francesca. On te remercie pour tout. Alors maintenant, nous allons passer à la collection de Kevo Slam. Il rigole tout seul. Oui. Alors notre ami Kevo qui a une paire de pop là, la vache. Ouais. Et franchement. Mais nous on fait pas du tout les pop. On en a un. On en a. Ah ou une pop. Je sais pas si on dit. Nah, une pop. Je vois direct un petit Gandalf. Après le reste, Gollum. Je vois Gollum. Y a Gollum. Après les vrais, je connais pas. Alors, ensuite, un beau collector PS4 Horizon qui tout de suite. Ça doit être magnifique, ça, avec la figurine. Ouais, The Last Guardian aussi. Smash Bros. Ultimate. Ouais. Avec des amiibo. Quelques amiibo sur le dessus. Mmh. Alors, des amiibo Zelda. Uncharted 4 avec la figurine, ça c'est chouette. Magnifique. Ça. Quelques Disney Infinity. Ouais, Star Wars, ça c'est sur Star Wars. On a un petit collector sur le côté, mais je vois pas vraiment. Je sais pas. Je sais pas. Et là, on voit le collector Watch Dog. Watch Dog, ouais. Et sur le dessus, deux ex. Alors, une petite vitrine. Donc là, on voit des jeux en boîte. Il y a du carton. Il y a du carton. Il y a du DS. Je vois qu'il y a du jeu DS Jap. Du Pokémon. Du Game Boy. Voilà, du Game Boy, pardon. Game Boy. Après, je sais pas c'est quoi les titres, on voit pas. Non.
Ensuite, en dessous, on a du Super Nintendo. On a de la NES aussi. Et encore en dessous, on a de la Mega Drive. Et on a encore de la 64. Elle a oublié la 64. 64. Ouais. Mais je me suis penchée pour essayer de sur la NES. Ouais, sur la NES, on a du Tetris, du Turtle. Turtle. Après. Teenage Mutant Heroes. Après l'autre, je sais pas. Il y a du Zelda. Ah, Zelda 3. Le pack. On a Pack Attack. Pack Attack. Après, on a du Pokémon Stadium. Pokémon Stadium. Zelda Ocarina of Time. Ouais, Pokémon Snap. Ensuite, donc, du Mega Drive. Mega Drive. Pac-Mania, Jurassic Park, Aladdin. Ouais, ça reste Aladdin, des titres. Aladdin, le classique. Ça reste des titres assez, Fantasia, assez classiques. Fantasia, Tintin. 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 Non, c'est, franchement, c'est pas mal. Hein. Street of Rage 2 en dessous. Ouais. Toy Story, on a du Master System encore en dessous. Il y a les Schtroumpfs. Les Schtroumpfs. Ouais, après, on a quoi, du Master System, quand tu dis du Astérix, Tom et Jerry, je crois bien. Et du Sonic KO. Donc là, on a du PS4 et de la Wii. Donc on va commencer par le point PS4 là. Voilà, donc il y a deux jeux Jap. Deux jeux Jap. Les Uncharted, Rim. Ni no Kuni. Megaman. Il y a du Megaman. Ni no Kuni. Brother. 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 Ensuite en Wii, nous avons du Kirby. Du Kirby. Du Kirby, y'a quoi, y'a quoi. C'est vrai que c'est un peu flou la photo. Je sais pas si vous voyez, vous verrez bien. Ah, on a le Mickey ouais. Et le Peach. Après, ça reste du Peach, y'a du Mario. Il y a du Rio. Ratatouille. Photo suivante. Secret of Mana, je vois sur la PS4. Tout de suite. Direct. Spider-Man. Red Dead Redemption. Ah, yes. FIFA 15. Oui, FIFA. Bah, je le vois. Hein. Ah oui, mais toi, tu parles. C'est vraiment, vraiment à droite. Moi, je parle à gauche, tu parles vraiment à droite. On a du Sonic Mania, Assassin's Creed. Resident Evil. C'est bien. Evil. Yes. Yes. On a du Elder Scrolls. Ensuite. T'as une sacrée collection PS4 hein. On repart sur de la PS4 avec les Evil Within. Ouais. Knack. Des Knack, Knacky Ball. Tu m'avais dit qu'on faisait des Knacky Ball. On a le South Park. South Park. On a Ben 10, Cheval Knall, Knight. J'essaye d'avoir un bel accent anglais. Après ça, on a une série de Lego. Tu fais la collection des Lego. Ouais. On a les Batman, Star mal, Wars, Hobbit, Avengers. Ouais. Après, on a quoi? Du DBZ. Alors, Incredible. Incredible, yes, Indestructible. Ouais, français. Ouh, c'est bien. DBZ. On Lego. Oui, là. Sword Art Online. Oh. T'as vu, elle a bon accent anglais. Avec Kirito. Encore du PS4. Il y en a, tu en vois là. Hein. J'espère qu'on va pas les. Non, c'est pas les mêmes, il m'a fait peur. Non. Ouh, c'est cool. Rien quoi de donc basique. On a un Puyo Puyo. Alors, donc je vais partir de ton côté, moi. Alors, du Puyo Puyo. Alors attends, j'ai enlevé la flèche là. On a du Puyo Puyo, on a. Street Fighter V, Injustice, For Honor. Voilà. On a du Batman, on a même Dragon Age Inquisition. Doudou. On a Ratchet. Kingdom Hearts aussi, j'ai oublié. Du FF. Sonic et Ratchet, comme tu disais. Yes, Cars 3. Cars 3. Je sais pas si il est bien, Cars 3. Je sais pas. Encore la PS4. Alors, tout de suite, je vois Bioshock, je suis reparti sur la gauche. Vas-y, allez, repars sur la gauche, Bioshock. Du Far Cry. Du Battalion. Vas-y. Yoka. Battlefront, Il y a Yoka aussi. Du Battlefront. Battlefront et Mass Effect. Oui. Vas-y. Ouais. Et du Mafia. Du Mafia. Du Batman. Ouais, après ça reste. C'est pas mal. Sympa, mais t'as une sacrée collection PS4. Ouais, et au-dessus, ouais. Ce qu'on voit, on a les. On voit du FF là. Les cartes Pokémon. Les cartes Pokémon. Cartes FF. Oh, ensuite, on passe à la Wii U. Sympa, et le Game & Wario là. Game & Wario, ouais. Wario, excusez-moi, mais j'ai du mal à articuler ce soir. Oui, on est ce soir, il est 22h quand on tourne la vidéo. Pas mal, zombies, ouais. Shovel Knight. T'en as largement plus que nous, hein. 21. Nous, on a peut-être 6-7 jeux. Minecraft. Du Minecraft. Le Minecraft. Alors, t'es. Oh, du Bayonetta. j'ai fait un petit mélange. Ouais, t'es où alors? Du Paper Mario. En fait, j'ai fait comme ça. Je suis partie. Oh, espèce d'illettré. En haut, en bas, à gauche et à droite. Tu le dis tout seul. Hein. Non, mais je le dis parce qu'il y en a qui vont le penser. Alors, du Zelda. Je continue. Hein, Ouais, vas-y, je te laisse faire parce que je sais même pas où elle est. Nous avons du Mario. Mario Maker. Vas-y. Du Lego. Un petit peu de Lego, Marvel. J'aime bien les Lego. Franchement, si, il a plein de Call of Duty. Du Minecraft. J'avais dit ça, Minecraft. Minecraft. La Minecraft. Je l'ai dit de Minecraft. Il y a Lego City. Franchement, pas mal du tout. Mass Effect 3, je sais pas ce que ça vaut sur la. Aucune idée. La Wii U.
Je ne peux pas te dire. Voilà. De Kevo, en tout cas, on te fait des gros bisous et on mettra le lien de sa chaîne dans la description. Très très belle collection, gros bisous, mon Kevo. Donc nous passons à Zone Jeu Rétro. Donc déjà, on te fait des bisous. Donc direct. Première photo, hein. Le mec, il se la pète pas. Le mec, il se la pète pas. Il envoie, je t'envoie des photos. Il envoie du lourd. Il t'envoie très des... très lourd. Ouais. Je te like à ta quête. Mais c'est une pépite hallucinante. Ouais, ouais. Non, c'est magnifique. Franchement, bah, tout le monde l'a vu, hein, c'est la Neo Geo. Avec la petite boîte à côté. Avec la petite boîte à côté. Et je pense qu'il a pas voulu exposer la boîte. Là, je dis, allez, je mets juste une petite partie de la boîte. Juste comme ça pour... pour se la péter. Pour bien faire baver les gens. C'est sympa d'avoir... C'est... Bon. Alors... Ensuite, donc là, on a un peu de tout. Hein, donc de la jeux... Switch, de la PS3. PS4 et de la... PS2. Ouais, donc on va, attends, on va regarder qu'est-ce qu'on va repérer. Donc direct, on voit Red Dead Redemption 2, on a le Spyro, Assassin's Creed. Spyro. Ensuite, on a le Zelda, le Mario Kart, le Rayman. Ensuite, sur PS3. Il y a du MGS. Ouais, MGS sur PS3, bah, Assassin's Creed. DBZ sur PS2, FF10. Tekken. Après, voilà, on reste aussi. Mass Effect, ouais. Donc on a bah, le Street Fighter, le Mario Odyssey. Je ne vois pas bien. Sean Dave, je crois que c'est ça. Les yeux. Ouais. Si je me trompe pas. Xenoblade 2 sur Switch en dessous. On voit pas Chronicles, ouais. On voit pas grand chose, mais c'est dommage. Mais c'est pas mal. Hein. C'est pas grave. Donc en tout cas, Zone, on te remercie. On te fait des gros bisous. D'avoir participé. C'est vrai que ça a été vite. Ça a été vite, mais bon. C'était très vite, même. C'était très vite. Mais non, mais c'est bien parce que bah, tu passes. Bah, au moins, je pense que tu sais ce que tu veux. Mm. Et... Mais je crois bien que t'as pas mis tout. Il a pas envoyé tout qui m'a mis. Ouais, y a pas tout. Ouais. Bah oui, mais s'il y a pas tout. Mais non, mais on voit déjà un peu vraiment l'univers de certains jeux qu'il aime. Ouais. Voilà, donc merci à toi, Zone. Le lien dans la description. Ouais. Et on te fait plein de bisous. De gros bisous. Putain. Alors, dernière collection. Donc là, c'est une collection de malades. Ouais, il s'agit de Retro Bob. Retro Bob qui habite à La Réunion. Donc gros bisous à toi. Donc première photo. Première photo, c'est... C'est un truc de fou, on vous détaillera pas les titres. Donc là, on peut pas, même nous, on pourra pas voir les titres. Mais en tout cas, je crois bien qu'il fait le full set. Le mec, il fait le full set Xbox première génération. PSP au moins, je pense. Je pense PSP, et après je me rappelle plus. Je sais pas si tu fais... Ouais, PSP. Après, je vais pas me tromper. Et franchement, Donc, quand vous voyez... Il y a de la PSP en boîte au-dessus. Il y a un mur. Il y a trois étages de jeux PSP. Avec les PSP au-dessus. On a... C'est beau. La Xbox, là. Donc, je pense direct à... Doom. Doom, il le connaît bien, en plus. Je comprends pas pourquoi on pense à lui. Je crois bien que Retro Bob, il a bientôt fini, en plus, son... Full set Xbox. Ouais. Alors, ensuite encore de la Xbox. Waouh. Donc là, il y a de la 3-6. Hein, donc ça, le coin là à gauche, on l'a déjà vu. Hein. C'est ce qu'on vient de visionner. Ouais. Donc là, les boîtes de la Xbox première génération, la 3-6 et la One. Donc en dessous, on a encore de la Xbox première génération, la 3-6. Il y en a partout. Il y en a partout. C'est un truc de fou. Hein. Alors là, donc là, à droite, on l'a déjà visionné. On a vu à droite. Donc là, on PS2. A des jeux PS2. Voilà, PS2. T'en as combien? Faudrait que tu le dises dans les commentaires, t'as combien de jeux en tout cas? En tout, parce que c'est... C'est impressionnant. C'est impressionnant, on voit même plus les murs, c'est ça le truc. C'est impressionnant. Donc en bas là, donc je vois, il y a des figurines, je sais pas c'est quoi comme figurine. Je sais pas, Walking Dead ou je sais pas. Walking Dead, l'impression, ouais. Donc avec les consoles, il y a la PS1, la PS2. Ouais. PS1, PS2 également. Après, on a une... Ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse étagère de PS2. Il y a les PS3 là. On a de la PS4, de la PS3. La PS3 édition Metal Gear. Bah, édition, t'as un pack. Le pack Metal Gear Solid 4. MGS. Après, on a encore du PSP au fond, du PS3, du PS2. C'est rempli. Alors là, on passe à une vitrine. À une vitrine. De console là. De console. Ah, là, ça fait plaisir, il y a quand même une paire de consoles. Il y a il y a du rétro. Au-dessus, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, console portable au-dessus. Tout ce qui est Game Boy, il y a une Game Gear aussi. Ouais. Il y a la Game Boy Advance en boîte. On a la Game Boy au-dessus. Il y a une Game Boy Micro, il y a de la 2DS. Alors, elle est où la Game Boy Micro? Elle est juste là. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. On a de la Game Boy Color Pocket. En dessous, on repart encore sur du Nintendo. Là, ça doit être le coin Nintendo. Il y a la Mini NES, il y a la Super Nintendo, la N64. La Wii Mini. La Wii Mini, la Wii Slim, pardon. La GameCube. Avec la Wii, ouais. En dessous. La Mega Drive. Il y a deux Mega Drive, la Wii, la Dreamcast. En dessous. PSP. PS1. Ouais, et après, je sais pas, il y a quelque chose à faire. PS2. Ah, PS2, ouais, c'est la PS2.
Et en dessous, il y a encore de la Mega Drive, je crois. Un truc de fou. Donc là, ouais, donc là, c'est un petit point au-dessus de Dead Rising. Ouais, donc je pense que la figurine qu'on a vue tout à l'heure, c'était peut-être de Dead Rising. Je sais pas. Je sais pas. Donc là, on a de la PS Vita, j'ai l'impression. PS4, PS3 et PS1. Il y a un pack PS2 SingStar. Ouais, c'est trop bizarre. C'est... Donc là, ouais, c'est la collection Resident Evil. Ouais, donc là, il y a quoi faire, quoi, franchement. Ouais, on va pas passer des heures dessus, mais il y a quand même, il y en a. Il y a je trouve même pas les mots, c'est vraiment... Et puis, t'en as en double, en triple, en quadruple, c'est quoi le délire? Ouais. C'est moi, hein, Il a dû faire les soldes, je pense. Ou je sais pas, ouais. Après, on a tout, ouais, voilà. Donc là, on passe sur de la Neo Geo CD. J'ai réussi à le dire, parce que j'ai coupé, j'arrivais pas à le dire. Oh putain. Avec la Neo Geo X. Ouais, franchement, ça c'est beau quand même à avoir. C'est... Après, je peux pas dire ce que ça... Je sais pas ce que ça vaut. C'est... Je sais, les gens vont dire, mais c'est de la Neo Geo. Oui, mais j'ai jamais testé, donc c'est comme la première... Nous, on n'a pas Neo Geo. Non. Et là... Il est magnifique. Là, il est magnifique. En c'est... tête de... Je sais pas, sorte de lapin. C'est une petite vue d'ensemble, on va dire. En tout cas, putain, c'est une collection de... De malade. Donc on restera sur cette dernière photo. C'est la dernière photo de sa collection. En tout cas, t'as une énorme collection. C'est vrai qu'on n'a pas pu non plus détailler comme... Comme les autres avant. Parce que c'était vraiment un gros volume. Il y en a trop. Et, il y en a trop. Là, tu vois qu'il y a beaucoup de... Encore de la PSP. Je sais pas si on l'a vu, ça. C'est beau. On sait pas si on l'a vu, c'est ça le problème. Oh. C'est franchement, je trouve que t'as une putain de collection. Ouais, donc n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Combien t'as de jeux, on veut savoir combien t'as de jeux. Et on mettra le lien de sa chaîne également dans la description. Voilà, voilà. Donc voilà, donc c'était la fin de cette vidéo, on a visionné les 5 collections. Donc on vous remercie. Hein, c'était un gros merci à vous. Pour ceux qui veulent participer, n'hésitez pas à envoyer les photos de vos collections via Facebook ou adresse email. Pareil, ça sera dans le dans la description. Dans la description. Et puis sur ce, bah, les amis, n'hésitez pas à liker, partager. Bien. Oh, bref, c'est bien. Ouais. Ah, vas-y, et à vous abonner. Et à vous abonner. Bien sûr, vous abonner. Et puis on vous fait plein de gros bisous. Et comme ça, merci de nous suivre. Et on se dit à la prochaine. Sur ma chaîne. Ciao. Salut.